bonjour. Donc, dans notre regard Imori aujourd'hui, que Missa présente Azote, dans un premier temps, on montre Azote les épices qu'on doit mettre dans ce rogaï, à savoir des oignons. On la prépare 8 oignons coupés en rondelles. On aura des gros piments qu'on a hachés en 4. Il y a à peu près 4-5 gros piments. On a pris 8 tomates. 8 tomates vont hacher en petits morceaux. On a pris aussi de l'oignon vert, hein, qu'on a coupé en petits morceaux aussi. Et le principal, c'est la morue qu'on a dessalée. Hein, on a laissé bouillir pour le dessaler. On a émietté, désarrêté. Et bien sûr, émietté en petits morceaux pour ce rogaï morue. Maintenant, comme on la présente Azote, le légume, des épices, on va passer à la cuisson si ça t'y veut bien. Bon, maintenant, on a fait chauffer l'huile dans la marmite. Et maintenant, on va pouvoir mettre notre morue. On va le faire frire. Et la morue dans l'huile. Là, il y a un paquet. Hein. Et bien sûr, on va le faire frire. Maintenant, on va rajouter nos oignons. Maintenant que la morue est bien grillée, on va rajouter nos oignons. On va faire revenir nos oignons dans cette morue, ça prenne bien le goût et que l'oignon prenne bien les couleurs. Rajouter aussi en même temps, je vais rajouter les gros piments. Ça sent bon. Soyons fous. On va mettre les suivants. Et on va laisser revenir tout ça. Bien mélanger les oignons pour ne pas que ça reste en bloc. Et en même temps, ça va parfumer un peu le rogaï. Coucou ma cousine! Ça commence à croûter quoi. Ça va. Voilà, on va laisser
passer notre morue. Continuer à cuire avec les oignons un petit peu avant de pouvoir ajouter les tomates. On va retenir un petit peu les oignons quand même, que ça prenne un peu de couleur sur je mélange régulièrement pour éviter que ça brûle. J'aurais vu ça un petit peu plus roussi, non? Voilà. Ça croûte là, ça croûte. Hein. On n'a pas mis les oignons un peu trop tôt là? Non? Il faut laisser les oignons bien cuire dans le... Il faut que ça croûte un peu. Bien sûr, ça brûle. Hein. Ouais, ouais. Peut-être qu'il faut baisser le feu, non? Non, ça va? C'est un peu vif, toujours. On va travailler les oignons un peu vifs dans le... Mes tomates. D'accord. Oh que c'est beau, du fer, du rouge, du blanc. Voilà. Donc si vous voulez faire cette petite vidéo, cette petite recette, pardon, il vous faut de la morue, des oignons, du piment, parce que c'est un plat pimenté. Vous dessalez la morue la veille au soir, c'est mieux. Et puis vous la changez 2 à 3 fois dans l'eau de trempage. Vous portez à ébullition pendant 15 minutes la morue. Vous préparez les épices qui sont les tomates en dés, les oignons émincés, les piments et le sel pilé. Alors le sel, moi j'en mettrai moins parce que la morue c'est déjà salé. On enlève les arêtes de la morue et on la fait frire dans l'huile. Lorsqu'elle a bien frit, il faut rajouter les oignons qu'on fait frire également. Avec le piment, on met le piment. T'as mis le piment? Oui, tout à fait. Le piment est parti. En fait, c'est des gros piments. Hein, là, parce que... Tu parles des gros piments? Je parle des gros piments. D'accord. Okay. Mais pas les petits. C'est pas les petits piments oiseaux. Pas ceux qui arrachent le bec. Oui, bon, on va mettre le piment oiseau et le petit piment à côté. Parce okay. qu'avec les gros piments, ça va lui donner juste le bon goût. Piment, mais pas que ça aille trop pimenté. Ensuite, on laisse bien dorer les épices et on termine avec les tomates. Et après, on laisse cuire pendant 30 voilà, minutes. Je vais baisser le feu et je vais rajouter un petit peu d'oignon vert. Voilà. Et on va on vous souhaite un bon appétit. Voilà. Et après, on va couvrir, on va laisser cuire à feu moyen pour le moment. Mm-hmm. Voilà, donc, on va laisser cuire à peu près 30 minutes, mais on attention à la cuisson bien sûr. Voilà, maintenant on va couvrir, on va laisser cuire ça. Pendant 30 minutes. 30 minutes à peu près. Très hein. bien. Il faudra vérifier la cuisson. Oui. Pour éviter que, parce que nous, vous avez des feux qui chauffent plus que d'autres, là on utilise un micro-thermique. Voilà, on va vérifier la cuisson donc. Alors si ça se passe bien, si c'est pas trop tourné, mais ça va très bien. Ça se fait très bien. On va peut-être enlever quelques arêtes en même temps. C'est pas plus mal. Ça s'en reste toujours, hein, c'est du poisson. Hein. Donc des arêtes dans le poisson, bien sûr, il y en a. Donc dans l'assiette aussi. Voilà, ça se passe très bien. On va laisser cuire encore un peu. Là, on a passé un quart d'heure de cuisson. Encore un petit peu, une bonne dizaine de minutes, et ça ira. Voilà, maintenant notre cuisson est terminée. On va vérifier quand même, impeccable. Donc la cuisson étant terminée, on va bientôt pouvoir déguster notre bon rogaï morue
et avec un petit peu de lentilles et de riz des gaillards. Hein. Voilà, ben en tout cas, moi je vous souhaite un bon appétit.